descend à Corinthe. Perfectionnez-vous, leur dit-il. 2 Corinthiens 13, 9 à 11. Il s'agit là aussi d'un perfectionnement pratique. Il est une voie de progrès dans la piété, une marche dans la puissance du bien par l'action du Saint-Esprit. La chair étant tenue dans la mort, nous sommes morts au péché et vivants en Christ. Car quand il parle du développement spirituel des croyants pour le bien de l'assemblée, Paul veut te dire tout simplement que ce que Christ a fait pour toi, ce qu'il a accompli pour toi, c'est ça qui te conduit à la sainteté. C'est toi qui fais de toi un saint. Dieu ne nous donne pas seulement la sainteté, mais il est lui-même notre sainteté. C'est Dieu lui-même notre sainteté. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes saints et saintes. Aucun chrétien ne saurait atteindre un certain degré de sainteté si le Seigneur n'est à l'œuvre dans sa vie. Mais il ne l'atteindra pas non plus s'il n'y consacre pas tous ses efforts. Anna baykat bi nga xamantene nawet baangi jegi ci nga bayyi sa tol bagn ko ru bayyi ko fofu bamu taw nga ne da ngay out lo am. Est-ce que di nga am dara do gob ku jiwul du gob ku jiwul du gob. Dieu est notre sainteté, mais Dieu nous demande le 1% pour qu'il fasse les 99%. Amen. Quelques principes pour grandir en sainteté. Reconnaître la nécessité de la sainteté. Devant Dieu, nous sommes saints. Nous avons été sanctifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Hébreux 10, 10. C'est notre statut aux yeux de Dieu. Mais nous devons rechercher la sanctification sans laquelle nous ne pourrons pas voir Dieu. Recherchons la sanctification sans laquelle nous ne pourrons pas voir Dieu. Hébreux 12, 14. En fait, la Bible nous dit que Dieu nous a sauvés pour nous rendre saints. 1 Thessaloniciens 4, 7. 1 Corinthiens 1, 2. Éphésiens 1, 4. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et cette même grâce nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à l'infidélité. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Du coup, vouloir grandir en sainteté va de pair avec être sauvé. Le véritable salut est indissociable, inséparable du désir d'être rendu saint. Une vie sainte est le signe de notre position en Christ. Fi ngeen tok fi du sen place. Est-ce que xam ngeen ko? Fi ngeen tok du sen place. Votre position en Christ, votre place est dans les lieux célestes, en Christ, dans la gloire. Et c'est le signe de votre victoire même, dans votre maladie, dans vos peines, dans le chômage. Vous êtes en Christ, dans les lieux célestes, dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Le baromètre de notre sainteté n'est pas ce que pense notre entourage. Bayilen nit ñi ñu wax, bayilen nit ñi ñu sagalen, yeen xam len sen place. Je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde. Le baromètre de notre sainteté n'est pas ce que pense notre entourage, mais notre conformité au caractère de Dieu. Comme Dieu, nous voulons toujours faire ce qu'il y a de juste et de bon.
même buñ lay sag defal lu djup defal lu bax defal lu djup defal lu bax bu yagge bi yag ñi lay sag ñi lay tumal dinañu delu ci wat su jotu pour nga ñaanal le alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, 26-28. Placés sur terre pour le refléter et le représenter. Vous êtes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices du Christ. Ambassadeurs et ambassadrices du royaume de Dieu. Et le roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et vous êtes les princes et les princesses. Vous êtes les princes et les princesses du royaume de Dieu. Les princes et les princesses du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas de ce monde. Nous devons être saints comme Dieu. Nous dit Lévitique 19, 2, 1 Pierre 1, 15 à 16. En nous laissant transformer toujours plus, chaque jour. Plus, nous laisser transformer plus à l'image de Dieu. 2 Corinthiens 3, 16. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre modèle aussi, c'est le Père. Parce que Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes. Le Père et moi, nous sommes. Alléluia. Comme lui donc, notre attitude face au péché serait la même attitude que Dieu, la même attitude de Jésus en face du péché, la même attitude de Dieu, le Père, en face du péché. Nous devons haïr le péché et aimer la vérité et la bonté. Waruñu japp Bakar di koy ray. Ki nga xamantene waw yow da nga min fen di nga min di yobbu ay commérage tay jilé Jésus Christ. Le Dieu de bonté et de miséricorde te demande d'abandonner ce manteau et de vêtir le manteau de la vérité et de la bonté. Bonté et vérité. La vie chrétienne est un combat de tous les jours. Nous luttons contre le péché qui combat à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous voulons le mettre à mort. Nous voulons le mettre à mort dans notre cœur. Notre cœur qui résiste. Chaque jour, nous devons demander à Dieu qu'il nous sonde pour nous aider à discerner le péché en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Par sa parole, son esprit nous révèle notre péché. Développer les saines habitudes. La bataille contre l'infidélité, bataille contre le péché, ne se remporte pas en une journée. On voudrait trop souvent obtenir une piété instantanée avec des raccourcis. La piété s'acquiert par la discipline et la persévérance. Discipline et persévérance, 1 Timothée 4, 7. Le péché entraîne le péché. Plus nous péchons, nous deviendrons des pratiquants de péché. Linga min, linga tam, dengay finalement, dengay mouye, di mengelo ak linga xamantene bahut. Donc, efforçons-nous à vivre cette bonté de Dieu, cette charité de Dieu. Efforçons-nous de rejeter le péché. Et quand il nous arrive, tant bien que mal, de tomber, que l'échec ne nous décourage point. Résister à l'influence du monde. Les chrétiens savent qu'ils rencontrent l'opposition. Il y a dans leur bureau, dans leur groupe, dans leur cœur même, il y a des oppositions. Qui est dans le défi, je ne fais pas de mais si je regarde, dans le chat, je regarde, ou je fais mon cœur, et je ne fais pas de rien. Donc, dis-toi que toi là, qui es serviteur, tu ne peux pas être plus grand que ton maître. Jésus-Christ est passé par là.
ayons donc de l'assurance parce qu'il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Nous devons résister à l'influence du monde en prenant la ferme résolution de vivre selon nos convictions, en nous affichant comme chrétiens. Amna ñoo xamantene ci mbolo chrétienne contana nek chrétienne, mais buma démé ci benen mbolo, buma démé ci benen mbolo rusna sax def signe de croix comme ci car yi. Voilà, suñu bokk musulman yi buñu woré ñu dugg ak ñom ci taxi rusna ñu def ni. Mais le signe qui t'identifie au Christ, tu dois aussi le montrer à tous pour dire, je n'appartiens pas à ce monde, je n'appartiens pas à ces personnes, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Obéir par et pour la joie. Certains ont parfois l'image, à tout raison, que les gens les plus saints sont les plus austères. N'est que du war toute la semaine, donnant, do lek, du roulot, du ngayo, di saga ou di tenko ak nit ñi ou di bokale yalla lu ko jaar. Mais ce ne devait pas être le cas. La sainteté mène à la joie, comme le dit Jésus, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite, pour que votre joie soit complète. Jean 15, 10 à 11. La joie vient de notre communion avec Dieu. Elle est affectée quand nous péchons. Quand je pêche, je suis triste. La joie n'est pas seulement le résultat d'une vie sainte, mais elle est la source de notre sainteté. La joie, elle est la source de notre sainteté. Nous sommes saints pour être joyeux. En trouvant notre joie en Dieu, nous lui ressemblerons toujours plus. Recherchez aussi cette sainteté en Église. Cela veut dire que cette dimension communautaire de notre sanctification n'est point à négliger. Quelqu'un disait hier que nous sommes de l'Église. Comment je peux être membre du renouveau? J'adore Jésus pendant qu'on dit la messe. S'il y en a qui le font, il faut l'arrêter. Je suis du renouveau où je suis baptisé. La messe commence, je suis en train de réciter le chapelet. Tout cela, c'est à abandonner. Le sacrifice de la croix, l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sommet de notre foi. C'est vraiment le sacrement des sacrements. Le baptême nous introduit dans la famille de Dieu, mais l'Eucharistie boulen ko tiaxane. Boulen ko tiaxane te bu ngeen amé jot pour confesser, il faut ngeen confesser. Il faut vous confesser. Il y en a qui ont appris ailleurs qu'on se confesse directement à Dieu. Allez-y au prêtre et confessez-vous. En portant les fardeaux les uns les autres, Galates 6, 2, la souffrance est souvent le terrain sur lequel se développe facilement le péché. Quand je souffre, quand j'ai mal, je suis plus exposée au péché. C'est pour cela, kunek chrétienne, nous tous malko, moutorok, mungi johon nyenen, mungi dem seti aussi, niko wara djapole, parce que très souvent, nous chrétiennes catholiques, de nous ne souni yalla de feyer. Na dem outi fenen fu gëna gaaw, mais fu gëna gaaw fofu def lay nak lié la be yow doto nekati la créature voulue de Dieu. Arrêtons cela. Dénonçons aussi le péché, parce que bo gissé sa morom muy bakkar té ñëmé woko wax né li nga def baxul, lolu du tiofel. Mais il y a une manière aussi de corriger. En Matthieu 18 15, vous avez la référence. En pratiquant les bonnes œuvres, le péché doit être dénoncé. Les bonnes œuvres aussi encouragées. Est-ce que yow bo amé sa patron, toujours remarque, de la féliciter mouk, de la encourager mouk. Est-ce que di nga am ci warté pour liguer? Donc, même seni dom yi ci njoboti, gor ak jëkër,
qui est un foyer. Il faut savoir vous féliciter, il faut savoir vous encourager pour que demain, quand la remarque arrive, la personne puisse accueillir avec foi et vous allez gagner une âme à Christ. Vous rappelez l'évangile les uns les autres, Colossiens 3:16. La parole de Dieu nous régénère et nous sanctifie. Aimez la parole de Dieu, familiarisez-vous avec la parole de Dieu. Elle est notre miroir. Que cette parole de Dieu retrouve alors sa place centrale dans nos familles, dans nos groupes, dans nos rencontres et nos conversations. Ñu bayyi jëwaté té buñuy waxtaan ñuy waxtané baatu Yalla. C'est d'elle dont nous avons le plus besoin. Et je conclus en empruntant les paroles du Saint-Père le Pape François. N'aie pas peur de la sainteté, mon frère, ma sœur. Bul ragal selay, du la dindir dara. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire. Car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages, nous conduit à reconnaître notre propre dignité. N'aie donc pas peur. Il faut viser plus haut. Te laisser aimer. Laisse-toi aimer et laisse-toi libérer par Dieu. Cette journée est propice pour toi, est favorable pour toi, pour te laisser aimer encore, te laisser renouveler l'amour du Christ pour toi, te laisser libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par le Saint-Esprit. La sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. Elle ne te rend pas moins humain, dit le pape. C'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Donc, dans l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. En cela, je le rejoins en disant « Sainteté pour tous, tous pour la sainteté. Que grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie sur le chemin de la sainteté, sur le chemin du bonheur éternel, sur le chemin de la félicité. Alléluia, alléluia. Et je termine en vous donnant un petit exemple de Sainte Faustine qui disait que Sainte Faustine apporte de la miséricorde divine, disait que niko genna tax mu daw ci selay bi moy niko don saga niko don tumal niko don toroxal ñoñu mo genna tax mu gaaw gaawa sel kon nak ñoñu nekkul ñu seeni non ñi len di saga ñi len di tumal nekkul ñu seeni non. C'est le bon plan que Dieu a pour vous, pour que vous puissiez avancer en sainteté. Alléluia. Et joie. Christ. 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 Amen. C'est le jour où nous fêtons la divine miséricorde. Alors, on va parler de la miséricorde. Frères et sœurs, vous êtes saint. Paix et joie. Vous êtes saint. Mais des saints toujours appelés à la sainteté. De par la grâce de notre baptême, nous avons été mis à part par notre Dieu. Nous avons été purifiés, sanctifiés par les eaux du baptême. Mais Dieu nous appelle toujours à devenir saints, à demeurer donc dans la sainteté à laquelle nous avons été établis. Et cela me rappelle justement la prière de Saint Paul aux Éphésiens. Saint Paul ayant bien compris l'enjeu qu'il y avait là, nous sommes des saints et nous sommes appelés à demeurer dans cette sainteté, ce qui n'est pas facile. Alors Saint Paul, par sa prière, nous fait comprendre que le chrétien devrait avoir une vision très claire qui lui permettrait de marcher droit sur le chemin de la sainteté. Et c'est pour cela qu'il fait cette prière pour les Éphésiens.
Il dit, daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et d'intelligence qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. Quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints. Et quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour vous, les croyants. C'est la même qu'il a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Frères et sœurs, je comprends par là que saint Paul dit que si Dieu nous accordait d'apercevoir ce qui nous attend auprès de lui, alors rien ne pourrait nous distraire sur cette droite ligne que le Seigneur Jésus a tracée pour nous. Rien ne pourrait nous distraire parce qu'on comprendrait. Mais oui, l'espérance que nous ouvre son appel. Nous avons été appelés par notre Dieu. Et quelle est donc cette espérance? Qu'est-ce que nous espérons? C'est le salut que le Seigneur Jésus nous a obtenu de par sa mort et sa résurrection. Quels sont les trésors de gloire qui nous attendent? Si Dieu nous accorde de par les yeux de notre cœur d'apercevoir ces richesses, ces trésors, rien ne pourrait nous perturber, nous détourner. Et encore moins, rien ne pourrait nous faire peur si nous prenons conscience de la puissance qui nous appuie en tant que croyants. Et il dit que c'est celle-là que Dieu a dû déployer pour ressusciter son Fils d'entre les morts. C'est cette puissance qui t'appuie, mon frère, ma sœur. Pourquoi devrais-tu avoir peur de quoi que ce soit? Mais il n'est pas facile de marcher sur la droite ligne que le Seigneur a tracée pour nous. Les attraits du monde, des richesses, les séductions du monde, l'argent, le pouvoir, l'avoir et beaucoup d'autres choses arrivent à nous faire tomber, à nous détourner de notre Dieu. Et c'est ce que nous pouvons comprendre en lisant la parabole justement de l'enfant prodigue. Nous allons l'écouter. Elle nous aidera à bien comprendre la miséricorde de Dieu, l'amour que Dieu a envers chacun d'entre nous. Cependant, les publicains et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer, cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Je laisse les premières paraboles. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout son avoir, partit pour un pays lointain et y dissipa son bien dans une vie de prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint en ce pays et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors à lui-même, il se dit, « Combien de journaliers de mon père ont du pain en abondance et moi je suis ici à mourir de faim. » Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes journaliers. » Il partit donc et s'en retourna vers son père. Comme il était encore loin,
Son père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison. Il entendit de la musique et des danses, appelant un des serviteurs. Il lui demanda ce que cela signifiait. Celui-ci dit, « C'est ton père qui est de retour, c'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusa d'entrer. Son père sortit et l'en priait, mais il répondit à son père, « Voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. » Voilà, revient-il après avoir dévoré ton bien avec les femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais parole du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer cette parole du Seigneur? Frères et sœurs, je disais qu'il n'est pas facile de marcher sur la ligne droite que le Seigneur a tracée pour nous. Je ne sais pas, vous, si vous vous retrouvez dans cette histoire de l'enfant prodigue ou non, mais moi, je m'y retrouve. Nous agissons souvent à l'image de cet enfant prodigue. Dans certains domaines de notre vie, nous disons à Dieu, ici, c'est domaine privé. Je peux gérer tout seul. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine sentimental et autre chose. Et parfois, nous trouvons même que Dieu ne fait pas assez ou ne fait rien du tout pour nous. Alors, nous allons chercher la solution ailleurs. Et c'est ainsi qu'en tant que chrétiens, le dimanche, nous sommes bien présents à la messe. Le lundi, nous sommes chez le marabout du coin. Le mardi, chez le féticheur du coin. Oh, il est fort. Il est puissant, il fait ceci. Et le plus souvent, c'est des proches qui aiment bien notre bien, qui veulent bien notre bien, qui nous y poussent. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est vrai, il faut prier, il faut aller à la messe, mais il faut aussi aller voir ces gens-là, ils sont très forts. Le ciel a dit, aide-toi et Dieu t'aidera. N'est-ce pas ce que nous disons souvent? Et c'est comme ça que nous nous détournons à l'image de l'enfant prodigue de notre Dieu. Nous allons chercher ailleurs, fouiner ailleurs. Mais ce n'est pas cela le plus grave. Le plus grave, c'est que quand nous nous rendons compte de notre situation, à l'image de cet enfant prodigue, voyez les images qui sont utilisées. Il a tellement manqué de quoi manger qu'on l'a envoyé paître le troupeau de cochons. Et il avait même envie de manger ce que les porcs mangent, mais personne ne lui en donnait. Quelle chute! Lui qui était le fils d'un grand richard, il va le dire lui-même. Chez mon père, combien d'ouvriers mangent à satiété? Et moi, je suis ici en train de mourir de faim. Il se rend compte de sa condition. Il dit, je vais repartir vers mon père. Et c'est là l'appel que je veux te lancer aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Reviens à ton papa d'amour. Reviens
à ton papa d'amour. L'essentiel, ce n'est pas de se rendre compte de sa situation, mais c'est de se lever et de revenir à son père d'amour. Le plus souvent, nous observons, nous rencontrons des gens qui diront « Mon péché est tellement grand, ce que j'ai fait est tellement grave que j'ai honte, je ne peux pas repartir vers l'Église, je ne peux pas repartir vers mon Dieu. » Alors, c'est des gens qui essayent de réparer avant de revenir à l'Église et ils n'y arrivent jamais. Nous devons nous lever, comme l'a fait l'enfant prodigue, conscient de sa situation, et revenir à notre papa d'amour. Oui, il est papa d'amour. Quelle a été la réaction du père quand l'enfant est revenu vers lui? Naturellement, si nous étions à la place, de notre bouche allait sortir beaucoup de reproches. Et voilà, tu te disais que tu allais pouvoir te gérer, et voilà que tu es ruiné, et maintenant que tu reviens. Je peux t'accepter chez moi, mais voilà les conditions. Et voyons, l'enfant lui-même avait déjà commencé à tracer les conditions. Quand j'irai, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Tu n'as qu'à me donner le rang maintenant d'un ouvrier. Ça, c'est le fils qui raisonne comme ça. Mais je disais que naturellement, si nous étions à la place, je crois que nous aurions dit beaucoup plus. D'accord, je trouve, et encore, si on lui ouvre encore la porte de notre maison. Mais si, par accident, on lui ouvre la porte, on lui dirait tout simplement, maintenant les conditions ont changé. Tu n'as plus le même rang que tu avais en partant d'ici. Voilà les conditions dans lesquelles on t'accepte ici. Mais voyons le Père. Le Père que la parabole nous présente ici est bien notre Dieu. Pas de reproche. Alors que l'enfant commençait à citer ses conditions pour que le père l'accepte, lui-même, il n'a même pas tant attendu que l'enfant arrive. Il court à sa rencontre et le serre dans ses bras. Malgré justement la saleté, oui, l'enfant, rappelez-vous, était dans la boue des cochons, vraiment sale, pas de chaussures, avec des haillons. Mais le père n'a pas hésité à le prendre tel qu'il est. Et c'est ça l'amour de notre Dieu envers chacun d'entre nous. Dieu nous aime tel que nous sommes. Son amour est immense et inconditionnel. Chaque fois que nous acceptons de revenir à lui, il nous ouvre les bras ouverts et il nous accueille. Son nom est amour. Alors n'hésitons pas à l'image de l'enfant prodigue. Au lieu de nous laisser ronger par le remords, la culpabilité, levons-nous et revenons à notre Père, notre Papa d'amour qui est plein d'amour et de miséricorde. Il ne nous juge point, il ne nous condamne point. D'ailleurs, il nous dira dans le livre du prophète Ézéchiel, qui ne désire pas la mort du pécheur, mais tout ce qu'il désire, c'est que le pécheur se convertisse, qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il soit sauvé. Et c'est cela qu'il attend de chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Revenons à notre Seigneur et voyons l'image aussi du grand frère. Comment accueillons-nous ceux-là qui reviennent à l'église et qui l'avaient quitté pour quelque raison que ce soit? Cela me rappelle une histoire que j'ai vécue. Un de mes cousins qui avait quitté l'église catholique pour aller chez les Maïkari. Je priais beaucoup pour lui, pour qu'il revienne. Et un jour, me rendant dans l'église des Parcelles, je le trouve là-dedans du côté de la Vierge Marie. Alors,
Quand j'ai fini ma prière, je suis sorti, il était toujours en train de prier. Je l'attendais à la porte pour me moquer de lui. Alors quand il est sorti, dès qu'il est sorti, je lui ai dit, Niao, hein, tu es revenu. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, c'est par ignorance que je suis parti. Je ne savais pas que j'avais tant de richesses dans l'Église catholique. Alors j'ai laissé toutes ces richesses et je suis allé fouiner dans les poubelles. Maintenant que j'ai compris, je suis revenu. Alors là, j'avais honte. La réponse qu'il m'a donnée m'a touché. Et c'est ça, justement, que le Père était en train de dire ici au fils aîné. Réjouis-toi, car ton frère que voici qui était mort est revenu. Réjouissons-nous donc de nos frères qui nous reviennent. C'est l'ignorance qui parfois les pousse à aller en dehors de la maison du Seigneur. Nous devons les accueillir les bras ouverts, leur manifester justement cette miséricorde que notre Dieu nous manifeste à tous. Le Seigneur, au fond de notre cœur, nous a peut-être révélé en quoi nous avons besoin de revenir à lui. Il a instauré lui-même ce beau sacrement de la réconciliation au travers duquel nous pouvons revenir à lui. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Je scène la résurrection de Jésus-Christ sur toute forme de mort dans ta vie. Amen. Ô Esprit, selon l'ordre de l'Éternel dans Ézéchiel 37, j'en appelle à toi maintenant. Viens des quatre vents et souffle sur nos ossements. Souffle sur la vie de chacun d'entre nous. Viens nous donner de revivre, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, souffle. Souffle, souffle, souffle ton feu, Saint-Esprit. Consume, brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Viens consumer la racine de nos maladies. Viens briser nos liens, nos chaînes par lesquelles l'ennemi nous retient captifs. Saint-Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur nos ossements. Souffle sur nos tombeaux et fais-nous sortir maintenant, Saint-Esprit. Viens, viens nous ressusciter. Toi, le mouvement d'amour qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Esprit Saint, agis puissamment maintenant. Souffle sur ton peuple ici réuni. Restaure, rétablis tes enfants. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Au nom de Jésus-Christ, souffle, 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 Saint-Esprit. Manifeste ta gloire et ta puissance au milieu de nous. Et j'invite le ministère chant à nous prendre un chant à l'Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit, viens. Viens des quatre vents et souffle sur nos ossements. Fais-nous revivre. Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Viens. Esprit de Dieu.
Comme les bonnes choses ne durent pas, pour que nous puissions les garder qualitativement, nous allons maintenant achever ce beau rendez-vous. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ, tu nous as recréés en lui, qui est le vif de notre salut. Accorde à celles et ceux qui seront aspergés de cette eau ou qui s'en serviront, de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance de l'Esprit Saint et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons maintenant les objets de piété. Comme un Père. Ensemble, disons notre Père. Nous voulons maintenant lui exprimer quelques supplications que nous allons exprimer. À toi, Marie, ce chant, à toi, maman, ces voix. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. Oh, à toi, Mère. Oh, à toi, maman, c'est moi. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. De bonté, toi qui désires que nous gardions le souvenir de tes merveilles, et particulièrement le souvenir des merveilles vécues aujourd'hui, accorde-nous de savoir, au-delà de notre regard, contempler les signes de ta miséricorde. Prions le Seigneur. À toi, Marie, ce chant, à toi, maman, ces voix. Oh, regarde-nous, tes enfants, soutiens-les dans le pire. Toi qui veux des adorateurs en esprit et vérité, permets que ces objets et ces signes nous aident à développer notre piété et notre foi. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute
nous, Seigneur, exauce-nous, Seigneur. Toi qui nous demandes par ton Fils de toujours prier, rends-nous persévérants dans la prière pour que notre vie soit pure et sainte. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Toi qui nous prodigues dans ton Église des trésors de sainteté et de piété, fais que nous sachions les mettre au service de notre croissance. Ensemble, prions le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te demandons particulièrement que l'image Notre-Dame de la Délivrande vous aide à combattre toute pratique idolâtrique, toute pratique qui ne nous aide pas à adorer le seul véritable Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Béni Seigneur, source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent faire usage de ces signes de piété. Fais qu'ils recherchent, en les utilisant, être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Que tous ces objets de piété soient bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous confions maintenant au Seigneur, à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrante, votre retour. Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ notre Seigneur, car tu as choisi de toutes les nations un peuple qui t'appartient. Tu as protégé nos frères, nos sœurs dans leur pèlerinage, pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur. Comble-les maintenant de tes bénédictions, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour de tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous dis encore un grand merci pour cette journée. Je confie à votre prière les travaux du nouveau sanctuaire marial qui ont déjà commencé. Peut-être si vous revenez dans quelques mois, dans un an et demi, deux ans, on espère, il y aura peut-être le nouveau sanctuaire. Nous prions pour cela. Je confie à votre prière tout ce qui se vit ici et qui est l'apanage de l'Église du Sénégal, pas seulement du diocèse de Dakar. Vous êtes ici chez vous, venez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.